Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah Maria. J'ai 34 ans. Puis, c'est gênant. Je me rase pas les poils de bulle. Bienvenue dans le miroir, là, j'ai l'impression de voir une toile de Modigliani là, avec les belles chansons. Mais c'est sûr, ça m'a apporté des problèmes. Hein. À un moment donné, je sortais avec un Brésilien qui m'appelait ma femme sauvage. Mais finalement, il m'a laissé parce qu'il me trouvait trop sauvage. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça, la plupart du temps, j'ai eu des chums qui aimaient mes poils, puis s'ils aimaient pas, ben. J'aimais mieux garder mes poils que ma relation. Mais en ce moment, je suis un peu inquiète. Je suis un peu inquiète parce que c'est comme rendu normal de se raser, puis c'est rendu anormal d'avoir des poils. Ouais, c'est comme... je sais pas, c'est comme s'il faudrait avoir l'air d'une pré-ado toute notre vie, là, tu sais. Si je parle pas, là, comme d'une gestion écologique de la forêt, là, d'une petite trine, là. Non, mais je suis peut-être ma tante, là, vous allez dire. C'est vraiment bizarre. En tout cas, toujours est-il là, que ça commençait à m'obséder. J'en parlais tous les jours là, à mes amis, à mon chum, à mon chat. J'ai voulu fonder une page Facebook, tu sais, comme une page pour un mouvement des poils de vulve libre. J'ai vraiment enflammé. Là, j'en ai parlé à mon chum, puis il n'a pas trouvé que c'était une super bonne idée. Non, mais chérie, là, tu trouves pas que t'en as assez? C'est quoi, tu veux devenir une famine de Sutton? Tu vas aller au village, là, puis tout le monde va te regarder avec un drôle d'air? Les journalistes vont être rendus chez nous tous les jours? Et tu vas être épuisée? Et tu vas tomber en dépression? Ok, c'est correct, chérie, là, j'ai dit c'est correct. J'ai rien dit. Écoute, c'est juste une idée de même, là. Oublie ça. Mais moi, quand j'ai une idée dans la tête, là. Fait que là, je me suis dit, oh, ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça, les femelles de ça. Fait que les jeudis soirs, pendant que les gars, ils allaient jamais à la guitare, là, nous autres, les filles, on s'est rencontrées. Ah ouais. Puis, c'est ça, on a fondé un petit club sexuel. Tu sais, on disait qu'on allait danser des danses orientales. J'en venais, je faisais deux, trois petits coups de bassin, là, puis ils étaient tout excités. Mais dans le fond, là. On a fondé le FLPP! Oh.